À Howard Hughes, le 23 janvier 1951. Cher monsieur, entre votre rééquipement pour la défense militaire et vos affrontements avec Wald et Krasna, je présume que vous êtes un homme pas mal occupé. Pourtant, je me demande si vous pourriez perdre un petit moment pour mettre en circulation un film qui a été fait il y a quelques années avec Jane Russell, Frank Sinatra et le sous-signé. Le titre du film, si ma mémoire est bonne, en est « It's only money ». Je ne l'ai en fait jamais vu, mais on m'a raconté que lors de ses différentes projections, il avait été reçu avec un enthousiasme considérable. Je n'ai plus 20 ans, monsieur Hughes, et avant que je ne me dépouille de cette enveloppe mortelle, si vous voyez un moyen de découdre votre matelas pour pouvoir propulser ce chef-d'œuvre mineur jusqu'au temple du 7e art, non seulement vous vous seriez acquis ma gratitude, mais également celle des Nations Unies, des vendeurs d'Esquimaux de toute l'Amérique et de 3 actionnaires de la RKO qui essaient en ce moment d'échapper à la Mellon Bank de Pittsburgh. Avec mes sincères salutations, Groucho Marx.